la Fondation Anne de Gaulle est l'œuvre intime créée par Madame Yvonne de Gaulle, le général de Gaulle, en 1945 pour accompagner des jeunes femmes qui, au sortir de la guerre, vivaient avec une déficience intellectuelle et s'étaient retrouvées sans secours familial depuis 1945, en mémoire à Anne, la cadette du couple de Gaulle qui vivait avec une trisomie 21. La Fondation a continué à soutenir les parcours de vie des personnes qui vivent avec un handicap. Aujourd'hui, nous continuons en fidélité aux valeurs d'engagement et d'audace. Et notre projet vise à accompagner toute personne avec un besoin d'autonomie, mais aussi tous les habitants pour les étayer dans leur engagement citoyen auprès des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. La Fondation Anne de Gaulle est reconnue d'utilité publique, c'est une fondation et à ce titre elle fait partie du paysage de l'économie sociale et solidaire. Elle a vocation à faire du lien avec les personnes que nous accompagnons et l'ensemble des partenaires et acteurs du territoire. Notre impact sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un impact à visée 100% inclusive. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le territoire démonstrateur pour la Fondation Anne de Gaulle, le champ des possibles. Nous y construisons le village Agora, qui est notre village laboratoire des quatre leviers de la société inclusive. Donc, au sein de ce village, nous créons le CEUR, qui est l'acronyme du Centre ouvert d'expertise d'usage et de ressources, et qui est ce centre qui va mixer l'ensemble des expertises des personnes elles-mêmes qui vivent avec un handicap, de leurs proches aidants, des pères aidants, de l'ensemble des professionnels et des acteurs de droit commun. Et à partir de l'ensemble des usages et de ressources, chacun pourra être en proximité dans son quartier, être soutenu dans son parcours de vie et ses aspirations. Et à côté du CEUR, qui est le centre qui fait battre le village, il y a trois autres piliers qui sont les leviers de la société inclusive et qui vont donc fonctionner avec l'ensemble des habitants. C'est le campus recherche qui est dédié à la société inclusive, qui est et qui sera un lieu unique pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et aussi pour l'Île-de-France, qui va regrouper l'ensemble des chercheurs acteurs que sont les personnes elles-mêmes qui vivent avec un handicap, aussi les professionnels, les habitants, et ils vont tous permettre pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de développer ce que nous appelons une expertise d'usage pour que l'ensemble des services de proximité, les services de santé de proximité, les commerces, les services publics, les centres culturels et sportifs deviennent 100% accessibles à tous. Et enfin, le village Agora, c'est aussi un centre d'enseignement, d'engagement citoyen pour que les citoyens trouvent des apprentissages pour maîtriser les gestes 100% inclusifs, ceux qui permettent de se relier à tous et de développer un nouveau rôle de citoyen, un citoyen engagé dans sa vie de quartier.